On va continuer à explorer un petit peu la, la situation qu'on avait vue dans la vidéo précédente. On avait, lancé, on avait pris une pièce de monnaie non truquée hein, et on l'avait lancée trois fois de suite. Et puis là, cette fois-ci, je vais me demander quelle est la probabilité, en lançant trois fois de suite la pièce de monnaie, d'obtenir au moins une fois face. Au moins une fois face. Voilà. Alors... La dernière fois, on avait recensé tous les cas possibles, hein, tous les résultats équiprobables possibles de mon expérience, donc qui est trois lancers de suite de la pièce de monnaie. Et puis on avait vu qu'il y avait huit possibilités. Ce sont ces huit possibilités-là. En fait, c'est parce que ici, pour le premier lancé, il y a deux possibilités. Pour le deuxième, il y en a deux aussi. Et pour le troisième, il y en a deux aussi. Donc ça fait deux fois deux fois deux, c'est-à-dire huit possibilités. C'était bien ça. Donc finalement, les résultats équiprobables de mon expérience, il y en a huit. Et puis maintenant, il faut que je compte les, les cas favorables, c'est-à-dire les cas où j'ai au moins une fois face. Hein. Donc je vais le faire, hein. je vais regarder tous les résultats possibles. Donc ici, celui-là, ça va. Celui-là, ça va aussi parce qu'il y a deux faces. Là, il y a une face, donc ça va. Là, il y en a deux. Là, il y en a deux aussi. Là, il y en a une. Là, il y en a une. Et là, il n'y en a pas. Alors ça, c'est le seul où il n'y en a pas. Donc finalement, j'ai sept possibilités. Ce sont ces sept-là. Où il y a au moins une fois face. Donc finalement, ma probabilité, la probabilité que je cherche, c'est... 7 huitièmes, c'est 7 sur 8. Il y a 7 cas favorables parmi les 8 résultats possibles et qui probables. Alors, bon, ça c'est bien joli, mais tu vas me dire, mais ça va parce qu'il y a 3 lancers, donc on peut assez facilement recenser tous les cas, mais ça ne serait pas pareil si on faisait par exemple 20 lancés. Si on faisait 20 lancers, ça serait pas très rigolo d'aller euh, écrire tous les cas possibles et puis après de compter euh, tous les cas qui sont favorables. Donc euh, il faudrait qu'on essaye de trouver une manière un peu plus simple de le faire, une manière, un raccourci pour calculer cette probabilité-là. Alors effectivement, hein, l'expérience que j'ai considérée, elle était constituée de trois lancers seulement. Hein. Donc l'événement auquel je m'intéressais, c'était obtenir au moins une fois face en trois lancers. C'est important à préciser parce qu'effectivement, ça ne sera pas du tout le même résultat si on fait 20 lancers. Alors maintenant, si on considère 20 lancers par exemple, ou un autre nombre de lancers, en fait on ne peut pas répondre à cette question-là en, en calculant les probabilités comme d'habitude. On ne peut pas se dire ben, je vais prendre la probabilité d'obtenir face au premier, parce qu'après je peux obtenir encore une fois face, j'ai le droit, c'est possible, mais je ne suis pas obligé. Donc c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas faire ça directement, mais il y a quand même un raccourci, il y a quand même une manière de le faire. D'ailleurs. Ça arrive assez souvent qu'un problème ait l'air compliqué, mais si on arrive à le, à le comprendre et à le prendre certaine, de la bonne manière, après ça devient beaucoup plus simple. Alors là, par exemple, la manière simple de le faire, c'est d'exprimer notre événement de manière différente. Alors l'événement obtenir au moins une, une fois face, on peut le dire différemment en fait. Hein. On peut dire que c'est exactement le même événement que ne pas obtenir que des piles. Donc finalement, au lieu de calculer cette probabilité-là, au lieu de s'intéresser à cet événement-là, on peut s'intéresser à celui-ci. Ne pas obtenir que pile. Donc là, ces deux événements-là sont les mêmes, hein, parce que si j'obtiens au moins une fois face, ça veut dire que je n'ai pas obtenu que des piles. Donc ces deux événements-là sont les mêmes. Alors pour fixer les idées, là je reste dans l'expérience avec trois lancés, hein, donc je vais le préciser en 3 lancés. Voilà. Alors comment est-ce que je peux faire maintenant pour calculer la probabilité de cet événement-là de ne pas obtenir que des piles Eh bien en fait, l'événement ne pas obtenir que des piles, c'est le contraire de, de l'événement obtenir que des piles. Donc finalement, la probabilité de ne pas obtenir que des piles en trois lancés, c'est 1 moins... La probabilité de l'événement, je n'obtiens que des piles. Et là, puisque j'ai trois lancers, en fait, c'est l'événement pile, pile, pile. Pile au premier lancé, pile au deuxième lancé et pile au troisième lancé. Alors, ça, on peut s'en convaincre assez facilement parce qu'en fait, si toutes les autres possibilités contiendront au moins une, au moins une fois face. Hein. Donc, finalement, la seule possibilité qui reste, c'est pile, pile, pile. Et donc, quand on additionne toutes les possibilités, eh bien, on obtient un. Donc, voilà. Alors, je vais, je vais le réécrire un peu plus proprement pour que ce soit plus clair. En fait, si je considère les événements pas que des piles, donc ne pas avoir que des piles, je l'écris comme ça hein, pour aller un peu plus vite. Et puis l'événement, je vais l'écrire comme ça, et l'événement euh, n'obtenir que des piles. Eh bien ces deux événements-là, ce sont des événements contraires. Hein. Ce sont des événements contraires parce qu'il n'y a aucun, aucune possibilité d'avoir euh, quelque chose qui appartient à cet événement-là, donc d'avoir un résultat où il n'y a pas de piles et d'avoir en même temps un résultat où il n'y a que des piles. Ce sont des, deux événements qui ne peuvent pas être réalisés en même temps. C'est ce qu'on appelle des événements incompatibles et ceux-là, ils sont contraires parce qu'en en fait, n'importe quelle possibilité appartient à celui-ci ou celui-ci. C'est-à-dire que quand on lance nos trois pièces, eh bien, le résultat, c'est soit il n'y a pas que des piles, soit il n'y a que des piles. Hein, c'est l'un ou l'autre. Donc finalement, ça, ces deux, deux événements-là, ils, ils regroupent tous les cas possibles. Donc ce sont des événements contraires. Et du coup, dans ce cas-là, la somme de leurs probabilités, eh bien, ça fait 1. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. La probabilité de ne pas avoir que des piles plus la probabilité d'avoir que des piles, eh bien ça, ça fait 1. Ça c'est important, ça c'est parce que ce sont des événements contraires. Je vais les noter. Événements contraires. Contraires parce qu'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps, ils sont incompatibles et en plus ils regroupent tous les cas possibles. Et donc, c'est pour ça que la probabilité de l'événement ne pas obtenir que des piles, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai écrit plus rapidement ici en disant probabilité de pas que piles, eh bien, c'est 1 moins la probabilité de n'obtenir que des piles. Voilà, c'est pour ça que j'avais écrit ça tout à l'heure. Alors maintenant, la probabilité de l'événement n'obtenir que des piles, eh bien c'est on peut la calculer facilement, puisque c'est... Alors, je vais le faire comme ça, cette, cette probabilité-là ici. Alors, les événements... Pile au premier lancé, pile au deuxième lancé, et pile au troisième lancé sont des événements indépendants. Donc finalement je vais faire la, le produit des trois probabilités. Hein. Ici, la probabilité d'avoir pile au premier lancé c'est 1 demi. La probabilité d'avoir pile au deuxième lancé, c'est 1 demi. Et puis la probabilité d'avoir pile au troisième lancé, c'est 1 demi aussi. Donc finalement, cette probabilité-là, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 huitième. Donc là c'était 1 hein, huitième, hein, je, je répète, c'est 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, demi c'est-à-dire la probabilité d'avoir pile au, deux, au premier lancé fois la probabilité d'avoir pile au deuxième lancé, fois la probabilité d'avoir pile au troisième lancé. Voilà. Donc finalement la probabilité de mon événement ne pas obtenir que des piles en trois lancés, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir au moins une fois face en trois lancés, eh bien c'est 1 moins 1 huitième, c'est-à-dire 7 huitièmes. Voilà. Alors... Cette méthode-là, on peut l'appliquer dans les cas où justement on ne peut pas recenser tous les cas possibles. C'est-à-dire que si par exemple on avait lancé 20 fois de suite la, la, la pièce de monnaie, eh bien, il aurait fallu plutôt utiliser cette manière de faire. Bon, on va faire un exemple justement. Alors, on va, on va imaginer qu'on lance la pièce 10 fois, de, 10 fois de suite et on va se demander quelle est la probabilité d'obtenir au moins une face une fois face. en dix lancers. alors je vais traduire ça comme tout à l'heure par un autre euh, événement. en fait, je vais me demander quelle est la probabilité de ne pas obtenir que des piles. que des piles. en dix lancers. Voilà, ça c'est exactement le même événement, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Et puis du coup, maintenant je vais utiliser le fait que l'événement ne pas obtenir que des piles en 10 eh bien c'est le contraire de l'événement obtenir que des piles en 10 lancées. Donc je vais pouvoir écrire que c'est 1 moins la probabilité d'obtenir que des piles. Donc que des piles, je vais pouvoir dire que c'est 10 piles. 10 fois pile en 10 lancés. Voilà. Donc ça, c'est 1 moins. Alors la probabilité d'obtenir 10 fois pile en 10 lancés, bah, c'est la probabilité de l'événement pile, 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 pile. Je vais le faire dix fois. Hein. Ça c'est pile au premier lancé, pile au deuxième lancé, pile au troisième lancé, pile au quatrième, pile au cinquième, pile au sixième. Pile au 7 e pile au 8 e pile au 9 e euh, et pile au 10 e Du coup, cet événement-là, la probabilité de cet événement-là, je peux la calculer. C'est pile au premier lancé, c'est 1 demi. Pile au deuxième lancé, c'est 1 demi aussi. Donc j'ai 1 demi fois 1 demi. Fois 1 demi pour la probabilité d'avoir pile au troisième lancé. Et en fait, je vais avoir 10 fois 1 demi. Hein. Donc je vais le faire, je vais l'écrire. 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi. J'en ai 4. 5. 6. 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pile au premier lancé. Celui-ci, par exemple, c'est pile au 1, 2, 3, 4, 5, 6e lancé, pile au 7e, pile au 8e, pile au 9e et pile au 10e. Voilà. Alors, la probabilité du coup de l'événement obtenir au moins une fois face en 10 lancés, eh c'est 1 moins tout ce, tout ce produit-là. Je vais maintenant le calculer, donc ça me fait 1 moins... Alors ici, qu'est-ce que j'ai Le numérateur, ça sera 1 forcément, donc je vais l'écrire hein, déjà, et puis je vais calculer le, le dénominateur. Donc c'est 2 x 2, 4, x 2, 8, x 2, 16, x 2, 32, x 2, 64, x 2, 128, x 2, 256, x 2, 200, euh, 512, pardon, x 2, 1024. Donc ici, le dénominateur, c'est 1024. Voilà. Alors maintenant ça je peux l'écrire comme ça. Alors je vais mettre ce 1 sur 1024, donc je vais multiplier par 1024 sur 1024. Donc j'obtiens 1024 divisé par 1024 moins 1 sur 1024. Les dénominateurs sont les mêmes, donc je peux additionner les numérateurs, c'est-à-dire faire la soustraction ici, c'est 1024 moins 1, c'est-à-dire 1023 divisé par 1024. Voilà. Donc finalement, j'obtiens cette probabilité-là. La probabilité, quand je lance 10 fois, la, euh, 10 fois de suite la pièce, la probabilité d'obtenir au moins une fois face, eh c'est cette fraction, c'est 1023 sur 1024. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est une probabilité assez importante. Hein. On peut d'ailleurs la calculer avec la calculatrice. Hein. Je vais le faire. Alors, 1023 divisé par 1024. Et ça fait une probabilité presque de 1, hein. c'est 0,999, ça c'est j'arrondis au millième. Donc il y a à peu près 999 chances sur 1000 d'obtenir au moins une fois face en 10 lancés. Voilà. Alors en fait, c'est pratiquement 99,9% de chances d'être réalisé. C'est même un petit peu plus que ça, hein, parce que là j'ai arrondi. Enfin voilà. Et ce que je voudrais que tu comprennes bien, c'est que si on avait dû faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire comme on a fait dans le cas de 3 lancés, c'est-à-dire recenser tous les cas possibles, ça nous aurait pris un temps pas possible, on aurait eu beaucoup de risques de se tromper, puisque en fait, il y aurait eu en tout 1024 possibilités. Ça, c'est le nombre de cas possibles quand je lance 10 fois la pièce, puisque c'est 2 puissance 10. On avait vu que dans le cas de 3 lancés, on avait 2 fois 2 fois 2, donc 2 puissance 3. Là, on aurait eu 2 puissance 10, c'est-à-dire 1024 possibilités. Il aurait fallu recenser les 1024 possibilités, ce qui aurait été quand même assez inconfortable. Alors que là, on a réussi à le faire d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide c'est vraiment un outil très très utile hein, d'arriver à traduire les, les événements de cette manière-là. C'est-à-dire que là, on avait un événement qui était obtenir au moins une fois face en 10 lancés. On l'a traduit comme ça en disant que c'était le contraire d'obtenir que des piles en 10 lancés. Et du coup, on avait quelque chose de beaucoup plus facile à faire qui était ça, là, ici. Obtenir 10 fois pile en 10 lancés, c'est facile à calculer. Et voilà, du coup, on arrive à calculer des probabilités, même dans des cas aussi compliqués que celui-ci du lancer de pièces de monnaie dix fois de suite.